fréquent. Et ce dont on, ce qu'on peut dire en tout cas, et sans erreur, c'est qu'on connaît avec une extrême précision le nombre de nouveaux cas chaque année. À titre indicatif, si on est 66 millions ou à peu près en France d'individus, il y a 33 millions de femmes, et on arrive à identifier avec une grande précision le nombre de nouveaux cancers du sein qui sont traités, parce que quel que soit le régime de sécurité sociale auquel appartient la patiente, elle va bénéficier de l'affection longue durée, la LD30, qui permet au niveau statistique de la repérer très facilement. C'est-à-dire qu'en France, pour simplifier les choses, on a, avec des chiffres, 60 000 nouveaux cas chaque année. 60 000 nouveaux cas qui viennent se rajouter aux 60 000 de l'année précédente, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'en termes de santé publique, c'est un phénomène extrêmement important. Ça touche, ça a touché ou ça touchera une femme sur 8. Ça précise bien les données. En termes de sévérité, le nombre de décès, bien sûr, qui sont raccordés à cette pathologie est connu avec une grande précision. On est à 12 000 décès par an. Alors, ce chiffre fait un peu froid. Il faut cependant le comparer à celui qu'il était il y a 25 ans, où il y avait 11 000 décès. Mais à cette époque-là, il y avait 23 000 cancers du sein annuellement. C'est-à-dire que En 25 ans, il y a eu 10% d'augmentation des décès, alors que le nombre de cas, le nombre de patientes malades du cancer du sein a été multiplié par plus de 2,5. Alors, ce qu'on essaie toujours d'avoir comme notion, bien qu'elle soit très souple, c'est la survie de cette maladie. Alors, c'est très compliqué parce qu'il y a des tas de cancers extrêmement différents, mais on peut parler d'une survie nette à 5 ans qui est de l'ordre de 90%, et ça, c'est extrêmement important. Alors, pour comprendre ce dont on va parler, il faut parler quand même un tout petit peu, mais très rapidement, parce que d'abord, on n'est pas des cancérologues, on n'est pas des médecins, mais du processus de diffusion métastatique qui est représenté de façon assez simple et schématique avec ces trois images, et qui, en partant de la gauche, va illustrer ce qui se passe au tout début. Donc, au début, vous avez un paquet de cellules normales, elles sont blanches, et parmi elles, il y a une cellule cancéreuse. À vrai dire, il y en a plus qu'une. Tant que les cellules cancéreuses sont limitées par cette lame qui est ici, qui fait la frontière avec le tissu voisin, le cancer est non-invasif. C'est une première étape. Ensuite, en fonction du type de cancer, il va passer dans la circulation générale, ce qui est symbolisé par l'image qui est au centre ici. Je ne sais pas si la flèche est visible sur l'écran. La flèche est visible ? Voilà. Et c'est une étape dans la circulation générale, c'est circulation sanguine. Et la troisième étape est une étape où les cellules cancéreuses vont ressortir par une sorte de diapédèse dans les tissus voisins pour aller créer des métastases. Voilà. Alors, ce qu'il faut qu'on retienne, nous, parce que ça va être la clé de tout ce qui va relier tout ça, c'est que pour passer de l'étape 1 à l'étape 2, c'est-à-dire du côté non-invasif à la circulation générale, cela se fait par un système particulier, c'est le système lymphatique. Et ça, le système lymphatique, il est accroché à la notion de cancer du sein. Alors, ces voies de dissémination lymphatique sont très, très bien connues maintenant depuis longtemps. Le docteur Pierre Redel de Lyon à plusieurs congrès de la KTL et nous en a fait plusieurs exposés. On retrouve son texte dans ce numéro de kinésithérapie scientifique de 2012. Les systèmes lymphatiques du sein, qui est très schématiquement représenté ici, avec sa couleur habituelle, le vert, hein, le vert pour les lymphatiques, le bleu les veines et rouge les artères, c'est un système qui se fait en étoile. Hein. On a un drainage qui va partir essentiellement à partir de l'aréole et qui converge vers des lieux qu'on connaît tous. D'abord le creux axillaire, évidemment, le creux axillaire qui va être hyper important, la région sous-claviculaire, mais également par voie profonde, intrathoracique, dans les nœuds mammaires internes qu'on appelait avant les ganglions. Ils sont absolument intrathoraciques, disons tout de suite qu'ils sont absolument impalpables. Ce que visualise également cette image, c'est des voies qui vont drainer le sein gauche vers le sein droit, c'est ce que l'illustrateur avait décidé de faire. En fait, le sein droit aussi se draine vers le sein gauche et de façon naturelle, expliquant d'ailleurs parfois des métastases cutanées contralatérales rapides. Et puis il y a des drainages qui se font vers la profondeur en passant par la gaine des grands droits, et puis la région sous-scapulaire. Cette anatomie, elle est connue depuis longtemps, depuis le XVIIIe siècle, hein, et même plus près de nous, si j'ose dire, fin XIXe, Sapé a particulièrement bien décrit le drainage du sein à partir de l'aréole. Alors,
si on fait le constat que le cancer du sein utilise la voie lymphatique pour avancer, pour essaimer, pour emboliser, une première question qui revient souvent, c'est est-ce que le drainage lymphatique est contre-indiqué en cas de cancer évolutif? La réponse est non. La réponse est absolument non et fermement non. Il faut s'attacher à comprendre un phénomène qui est hyper important, c'est cette notion de métastase qui va électivement s'installer par les sites qui sont représentés sur ce petit schéma, qui sont le poumon, comme tout le monde le sait, le foie, les os et aussi les ganglions, ou plutôt ce qu'il faudrait appeler depuis plus de 30 ans les nœuds lymphatiques ou les lymphonodes. Alors si c'est bien là que ça va s'installer, ce n'est pas par hasard, et ça ne se met pas à l'oreille ou au bout des orteils, c'est parce que les tissus cellulaires pulmonaires, hépatiques ou osseux, sécrètent des produits qu'on appelle des chimiokines, qui sont en fait des produits d'appel pour les cellules cancéreuses qui présentent dans leur périphérie, au niveau de leur membrane, des récepteurs qui vont accrocher, pour simplifier les choses, qui vont s'accrocher à ces tissus. C'est-à-dire qu'une sorte de tropisme, enfin comme une notion de magnétisme, mais là l'image est seulement pédagogique, qui va expliquer que c'est bien vers là que ça va s'installer. Alors, à côté de ça, il faut comprendre également ce qui se passe quand on fait du drainage. Bien sûr, on augmente le débit lymphatique, si tant est qu'on réussisse à le faire, et là, on a beaucoup de surprises quand on voit comment les uns les autres nous travaillons différemment. Pour avaliser le drainage manuel dans des situations métastatiques et sans avoir peur d'être délétère, je vous ai mis cette référence bibliographique qui a 5 ou 6 ans maintenant et qui a consisté à faire une étude comparant deux groupes. Deux groupes. Le premier groupe est un groupe de patientes opérées du sein, qui va servir de modèle, alors qu'un autre groupe, identique en nombre de patientes, en type de cancer, d'âge, différents traitements, etc., est un groupe qui présente un lymphœdème. Et évidemment, le lymphœdème se traite entre autres par le drainage manuel. Il n'y a évidemment pas que cela, mais c'est utilisé systématiquement. Et l'observation de ces deux groupes à l'issue de l'étude n'a pas montré qu'il y avait plus de métastases de récidive dans le groupe où on fait le drainage manuel que l'autre. Donc c'est tout à fait autre chose que de mettre une cellule cancéreuse dans le système lymphatique, soit qu'elle y aille directement, spontanément, soit qu'on y est incluse. Ça n'a rien à voir avec cela. Le challenge de la cellule cancéreuse tout au long de son parcours, elle peut être stoppée énormément de fois. Donc, feu vert pour faire du drainage manuel. Autre question, le curage axillaire, est-ce que ça cherche à prélever le plus de ganglions? Est-ce qu'on cherche à retirer le plus de nœuds lymphatiques? La réponse, c'est non. La réponse, c'est non, parce qu'il faut en comprendre ce à quoi il sert depuis très longtemps. En prenant cette image, par exemple, qui nous montre comment une tumorectomie a été réalisée dans la partie haute de l'écran, la tumeur s'est avérée cancéreuse, à moins qu'elle ait déjà été diagnostiquée par une biopsie. Il est important, il est extrêmement important de mettre en place le fait que les cellules cancéreuses sont allées de la tumeur jusque dans les nœuds du coaxillaire ou pas. Et là, ce qu'on voit à l'écran, c'est le prélèvement d'un paquet de graisse, un paquet de graisse dans lequel sont inclus les ganglions, les nœuds qui drainent la tumeur. Et l'analyse de ces ganglions, il faut qu'il en soit ramené un certain nombre pour que ce soit sérieux dans l'analyse. Si l'analyse rapporte qu'aucun de ces nœuds n'est envahi, on peut admettre que la maladie est restée locale. Alors là, c'est un très très gros raccourci parce qu'il y a de très nombreuses idées contraires là-dessus. Il y a des tas d'exemples contraires, mais en simplifiant, c'est ce qu'il faut retenir. Le curage axillaire sert simplement à avoir une information. Est-ce que le cancer est resté local ou est-ce qu'il est allé jusque dans le coaxillaire? Et partant de là, il est admis que lorsque les nœuds sont envahis, ils le peuvent l'être de différentes manières, en termes d'intensité, etc., selon ce qu'on trouve dedans. Il y a même des nœuds lymphatiques qui se rompent du fait de l'augmentation de la taille des micrométastases qui sont à l'intérieur, donc il y a des gravités différentes. Mais le but, c'est de savoir si la maladie est allée jusque-là, et si elle est là, c'est une maladie alors générale, c'est-à-dire que les nœuds du coaxillaire sont dépassés et que les cellules cancéreuses tournent partout dans le corps. Ce qui va, avec beaucoup de simplicité, donner une des indications de chimiothérapie. C'est beaucoup plus compliqué que ça, et quand un kiné parle de la médecine, à tous les coups, il va dire des bêtises, et de la cancérologie encore. Ce qu'on va retenir cependant, c'est que les patientes nous disent toutes, ils m'ont tout enlevé.
Alors, ils n'ont jamais tout enlevé. On ne peut pas vivre sans ganglion lymphatique dans le creux axillaire. Le membre ne survivrait pas. Mais ils ont tout enlevé, ce qui était nécessaire pour savoir si le cancer était généralisé ou pas. À côté de ça, il y a une autre technique qui s'appelle la technique du ganglion sentinelle. Et une question qu'on entend souvent, c'est est-ce que c'est une technique qui sert à colorer les cellules cancéreuses ? Alors, non, absolument pas, absolument pas. Le ganglion sentinelle, c'est une technique maintenant relativement ancienne et qui consistait initialement à injecter un produit, un marqueur, là c'est une encre colorée, dans la tumeur. Aujourd'hui, pour des questions d'esthétique, c'est sous l'aréole. Ce colorant a une particularité, c'est qu'il ne va être récupéré que par voie lymphatique, c'est-à-dire qu'on va colorer, mimer le trajet que les cellules cancéreuses utiliseraient pour aller dans le creux axillaire. Et ce qui va permettre, en disséquant le creux axillaire avec une bien moindre grande incision, bien sûr, qu'avec un curage, d'aller extirper, retrouver ce nœud lymphatique. Et on a démontré que selon la taille de la tumeur, selon le type de cancer, s'il y a une tumeur ou plusieurs tumeurs, on a déterminé que lorsqu'il était négatif, c'est-à-dire qu'on ne retrouvait pas dans ce ganglion qui est en sentinelle, qui est là, le premier filtre sur le trajet des cellules cancéreuses, quand on a démontré qu'il était négatif, non envahi, eh bien, les autres ganglions, les autres nœuds lymphatiques sur le trajet lymphatique en direction de l'aval, ce qu'on appelle l'aval, alors ils ne le sont pas. Alors, il y a d'autres attitudes qui sont très complexes, et je crois qu'il y a une question là-dessus. Quand ce ganglion est envahi, alors, dans une certaine mesure, il est utile de faire un curage axillaire, parce que ça va rendre service pour stadifier la maladie et donner des éléments pour choisir le traitement complémentaire. Mais de toute évidence, c'est un traitement qui est beaucoup moins lourd, ce technique du ganglion sentinelle, qui prend une importance phénoménale en ce moment, on pourra en reparler. Donc, le ganglion sentinelle, ça ne colore pas les cellules cancéreuses, ça colore le premier relais lymphatique. La chirurgie lymphatique provoque toujours une insuffisance lymphatique. Oui, ben oui, oui, oui. Alors pourquoi ça ? Eh bien parce que quand on regarde l'anatomie avec ce vieux schéma, ce vieux dessin de Sobota, et quand on regarde comment la paroi pectorale qui va nous donner une idée de comment se draine le sein, eh bien on voit que, et on sait, que les nœuds qui drainent le sein reçoivent toujours une partie des lymphatiques du membre supérieur. C'est-à-dire que même avec un curage à minima ou même avec un ganglion sentinelle, on a toujours une atteinte du drainage lymphatique du membre supérieur. Ce qui ne veut pas dire pour autant qu'il y aura un lymphœdème, mais il y aura toujours des complications lymphatiques, et on en parlera très vraisemblablement. Voilà, cette autre image qui nous montre qu'un curage axillaire, ben ça va enlever des ganglions dans le creux axillaire, bien sûr là-dedans, mais que c'est la même cible au niveau du ganglion sentinelle, et que dans tous les cas, curage axillaire ou ganglion sentinelle, il y a toujours un déficit de drainage du membre supérieur. On a des tas d'examens de médecine nucléaire qui le démontrent. Aujourd'hui, Est-ce que la mastectomie est moins fréquente en chirurgie du cancer du sein ? Eh bien oui, bien sûr, bien sûr. La mastectomie ne concerne, selon les régions, plus que 20 ou 30% au maximum des patientes qui sont traitées. Et ça, c'est en relation assurément, avec les progrès du dépistage, puisque l'une des indications, mais là encore en simplifiant outrance, ce que je dis est vraiment... C'est une image d'épinal, si vous voulez, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais que le fait qu'il y ait des tumeurs de petite taille, qu'on découvre avec le dépistage systématique, ça permet de les traiter avec un traitement conservateur, et donc la chirurgie d'ablation du sein, qui se fait toujours, bien sûr, est moins fréquente qu'avant. Alors la kinésithérapie, qu'est-ce qu'elle vient faire dans cette affaire ? Est-ce que le traitement de la cicatrice, c'est vraiment la chose sur laquelle il faut absolument avoir un œil d'abord et poser les mains ? Ben, la belle réponse, c'est non. Ben, absolument non et fermement non. Ce dont on doit s'occuper avec pertinence, intensité, c'est quoi ? C'est de l'épaule. Et pourquoi cela ? Bien, parce que là, je vous ai mis une position de patiente qui va être irradiée pour un cancer du sein. Bien, il est hyper important que la rééducation post-opératoire ait permis de conserver l'amplitude de l'épaule ou de la regagner si elle a été altérée pour des tas de raisons par la chirurgie axillaire. C'est ça qui nous intéresse vraiment en première ligne. C'est vraiment ça. Alors, évidemment, il y a des choix en rééducation. Pour
traiter cette épaule pour prévenir la diminution d'amplitude. Est-ce qu'il faut une kinésithérapie précoce ou différée? Alors, il y a deux écoles. Il faut aller tout de suite travailler très très vite cette épaule parce que sinon elle va s'enrayer. Mais d'autres disent oui, mais si on la travaille trop vite, on va désunir les berges d'une cicatrice, augmenter des complications. Mais la réponse, on la connaît bien avec des tas d'études qui ont comparé la kiné précoce à la différée. C'est la kiné précoce qu'il faut faire. Absolument. C'est précoce, ce qui ne veut pas dire immédiate. Il y a encore des nuances dans le timing. En tout cas, très important. Alors, gagner immédiatement l'amplitude de l'épaule avec des exercices actifs, intensifs, répétés, non, certainement pas. Certainement pas, parce que parmi les complications qu'on retrouve avec des fréquences différentes, des pourcentages différents selon les travaux, eh bien, c'est les écoulements qui vont dans le creux axillaire créer ce qu'on voit apparaître sous la cicatrice ici, c'est-à-dire non pas un œdème, mais en tout cas cette voussure qui correspond à un écoulement des vaisseaux lymphatiques du membre supérieur, ça c'est bien démontré, et puis un exudat également. Donc, certainement pas des exercices actifs intenses, on va partir sur une rééducation plutôt activo-passive, paisible, douce, voire posturale. Parmi les complications qui embêtent tout le monde, c'est-à-dire qui sont douloureuses pour les patients et qui gênent le kinésithérapeute pour retrouver l'amplitude, il y a bien sûr l'apparition de ces cordons qui limitent l'amplitude de l'épaule. Et si on écoute certains chirurgiens parisiens, mais enfin Paris n'est pas la France, certains les rompent, les cassent, et ça permet effectivement de retrouver une amplitude. Alors, est-ce qu'il faut les rompre pour permettre cette radiothérapie? La réponse, c'est 1000 fois non, parce qu'on sait très bien ce que c'est. Regardons d'abord cliniquement à quoi ça correspond avec ce qui apparaît sur le bras de cette patiente ici, l'invagination d'une sorte de trajet rectiligne qui va se poursuivre sur le bras et prendre la corde au niveau de la concavité du pied du coude, ces fameuses cordes, ces brides, ces cordons, etc. En fait, ben, on le sait depuis longtemps et on l'avait bien travaillé en échographie, en tout cas à l'Institut Sainte-Catherine à Avignon, là, l'Institut du cancer d'Avignon. Ce sont des vaisseaux lymphatiques. Alors, ces cordes sont des vaisseaux lymphatiques, et là, cette image que j'ai choisi de vous montrer témoigne de la réunion de deux vaisseaux lymphatiques qui convergent et dont l'image est noire, c'est-à-dire qu'elle est hypoéchogène, c'est-à-dire qu'on a du liquide. Et il ne s'agit pas d'une veine, puisque quand on met un Doppler, il n'y a pas de flux. C'est donc des vaisseaux lymphatiques, et d'autres travaux ont démontré qu'il s'agissait bien des vaisseaux lymphatiques. Donc, il ne faut surtout pas les rompre. Parce que déjà que les patientes ont des vaisseaux qui ne fonctionnent pas très bien, si on en casse encore, c'est le capital de la patiente qui décline. Ah, voilà. Alors là, une courte vidéo qui vous montre ce que c'est que ces thromboses. Voilà. J'ai une patiente qui d'ailleurs a bénéficié d'un ganglion sentinelle. Voilà, avec le doigt, je vous montre la courte incision du ganglion sentinelle et ces trajets qui vont limiter l'amplitude de l'épaule. Alors ça, c'est intéressant parce que ce sont des trajets d'une forme clinique qu'on a vu apparaître, je crois que c'était à 2 ans pour cette patiente. On ne voit plus l'écran, Jean-Claude. Jean-Claude, ouais. Tu n'es plus en Jean-Claude. partage d'écran là. Tu refasses un Faut que nouveau tu partage repartages. d'écran. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as dû changer de Ah, fichier, je l'ai du coup, perdu. il faut que tu repartages ton écran. Voilà, nickel. Il est en train de revenir? Oui, il y est, par contre, il n'est pas Ah, je vous le grandis alors. en grand écran. Il est arrivé? Ouais, Il est parfait. revenu? Oui. Voilà, ok. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, ces thromboses lymphatiques superficielles, telles qu'on les apporte, parce qu'on les appelle, elles sont effectivement, ils sont thrombosés, ces vaisseaux, la partie proximale. Ce sont des cordelettes qu'on pourra tout à fait traiter a posteriori. Et ça, c'est une chose qui est très importante. Les voilà aussi, quand ils arrivent au creux axillaire, on a l'impression qu'il s'agit de tendons, de veines, nullement, ce sont des vaisseaux lymphatiques, mais comme ils cheminent les uns à côté des autres, très proches, ça donne cet aspect-là. Même indication, surtout ne pas casser ça. Autre tableau clinique, un autre tableau clinique, à 1 mois, cette patiente présente un œdème du bras de 2 cm de différence. Ok, 2 cm de différence. Est-ce qu'il faut lui proposer un traitement avec DLM et bandage pour ce lymphœdème? Réponse non. Ce n'est pas un lymphœdème du tout. Il n'y a pas de lymphœdème en post-opératoire. En post-opératoire, il s'agit toujours d'un œdème post-chirurgical, inflammatoire, et ce n'est pas du tout un lymphœdème. Donc, on va le traiter comment? On va le traiter par drainage manuel. Et la question qu'on peut se poser, parce que les attitudes sont bien différentes avec les uns et les autres, c'est savoir si on doit
commencer ce drainage par des manœuvres dans le creux axillaire avec cette idée de stimuler les nerfs lymphatiques. Alors aujourd'hui, il faut dire non. Il faut dire non parce que nous n'avons aucune étude. Nous n'avons aucune étude qui démontre que la stimulation du creux axillaire permet d'avoir une action sur ces nœuds lymphatiques, de les vidanger, et surtout d'avoir une action qui diminue l'œdème, ce qui est encore une autre affaire, ça. Avoir une action sur la vidange des nœuds lymphatiques, c'est une chose. Avoir une action sur la vidange de l'œdème, c'est une autre affaire. Donc aujourd'hui, non, on ne peut pas passer du temps, être payé par la sécurité sociale pour faire des séances dont on n'est pas sûr de l'efficacité. On arrive aussi à un point important de santé publique. Pour prévenir l'apparition de lymphœdème, faut-il recommander d'utiliser le membre contralatéral? C'est une question qu'on peut se poser, nous. C'est une question que les patientes nous posent. Elles ont peut-être peur en post-opératoire d'avoir un lymphœdème comme quelqu'un qu'elles connaissaient ou qu'elles connaissent encore avait. Elles demandent ce qu'il faut qu'elles fassent. Est-ce qu'il faut économiser ce bras et lui préférer l'autre? La réponse, c'est 1000 fois non. 1000 fois non. Pour aller très, très vite sur ce sujet-là, l'activité physique du membre supérieur ne déclenche pas le lymphœdème, d'une part, et surtout le prévient. Alors ça, c'est à tomber en quelque sorte sur le postérieur, parce que pendant des décennies, nous avons tous dit l'inverse. Et ce que l'on disait n'était absolument pas appuyé sur des faits, mais appuyé sur des suspicions, la conception de ce qui pourrait se passer au conditionnel, et c'est vraiment pas ça. Et là, sur le sujet est très très grand, très très long, il y a plein de choses à évoquer. On a publié il y a 2-3 mois avec Pierre-Henri Ganchou du Collège de masso-kinésithérapie et Serge Theiss de Belgique, un article qui fait le point sur tout ce qui est sorti. C'était dans un numéro de Kinésithérapie la revue qui est entièrement consacré au cancer du sein. On termine avec cette question. Je ne sais pas où j'en suis du timing, ouais, c'est un peu court, on va aller vite. Reconstruction mammaire, la kinésithérapie a-t-elle un intérêt? Ah, alors ça c'est bateau, mais ce n'est pas bateau, parce que oui, elle a un intérêt, et non, elle n'a pas d'intérêt. Alors, non, elle n'a pas d'intérêt, et d'abord parce qu'il y a des chirurgiens qui ont des attitudes particulières vis-à-vis de la kinésithérapie. Nous avons réalisé il y a quelques mois maintenant une réunion avec la CATEL à Paris, comme on fait deux fois par an, des réunions scientifiques. On avait invité un grand chirurgien plasticien de Paris qui a montré tout ce qu'il était capable de faire et qui montre de très beaux résultats. Et quand on lui pose la question à la fin de son intervention, et la kinésithérapie dans tout ça, kinésithérapie, moi, j'en fais faire jamais. À côté de ça, vous avez d'autres chirurgiens, peut-être plus ouverts, plus modernes, auxquels on est allé s'adresser en disant qu'on était capable de faire certaines choses qui vont peut-être nous faire des prescriptions en post-opératoire ou en préparation à certaines reconstructions. Mais toutes les patientes n'auront pas besoin de rééducation parce que toutes n'ont pas de déficience en post-opératoire. Donc il n'y aura rien de systématique. C'est comme d'habitude, et on va terminer là-dessus, c'est la clinique qui règne là-dessus, c'est elle qui détermine tout ça. Eh bien, merci. Je pense que j'étais un peu plus long que ce que vous aviez prévu. Je suis désolé. Bon, c'est très bien, Jean-Claude. Il y a eu des questions. Sonia et Stéphane, je vous laisse gérer. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir, Jean-Claude. Bonsoir. Donc, la première question concerne la reconstruction mammaire avec prothèse et l'une de ses complications, la formation de la coque. Oui. Pour en venir à bout, existe-t-il des thérapies complémentaires à la kinésithérapie pour favoriser la résorption de la coque, comme des conseils de nutrition, l'acupuncture, etc.? Alors, on ne peut parler que de ce que l'on connaît et de ce que l'on a pu lire, et pas de ce que certains inventent et qui n'est pas démontré. Alors, la coque, c'est une complication cicatricielle classique, c'est une cicatrice qui se fait par excès, et notre amie Dindy Navarro, qui est la grande spécialiste nationale et même au-delà maintenant, vous en parlerez mieux que moi. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est traumatiser le sein avec cette cicatrice hypertrophique. Et ce qui marche bien, et quand on dit qu'on marche, c'est qu'on ne l'a pas encore mesuré, c'est bien difficile, c'est tout ce qui est étirement tangentiel. Voilà. En tout cas, pas de pétrissage, qui est vraiment une technique qu'on a recommandée un temps. On pensait que de ramollir la pâte, comme on fabriquerait un gâteau des rois pour le mois de février, ça ne marcherait pas du tout. Voilà. Pour ce qui est des autres techniques, je ne peux pas en parler. En tout cas, ce qui n'a pas beaucoup d'intérêt, c'est les techniques aspiratives sur les coques qui font des dépressions et qui ne vont pas dans le sens de l'étirement longitudinal. Merci.
Une question d'Alicia qui a une patiente avec un gros bras depuis des années après un cancer du sein et un curage axillaire. Cette patiente a entendu parler de la greffe de ganglion lymphatique d'autogreffe, donc pratiquée à Paris. Qu'en pensez-vous? Alors, c'est très délicat quand un kinésithérapeute va parler d'une indication chirurgicale. Donc, je vais être très, très diplomate. C'est une technique qui n'est pas recommandée par l'Académie de chirurgie en France. Et on a de nombre de cas, et on en connaît à titre personnel, de médecins cancérologues présentant un lymphœdème du membre supérieur à qui on a prélevé des nœuds lymphatiques, des ganglions lymphatiques à l'aine contralatérale qui ont été transplantés et qui n'ont donné aucun résultat, comme dans énormément de cas. D'une part, le lymphœdème du membre supérieur n'a pas diminué. Il est apparu un lymphœdème du membre inférieur. Donc, c'est à déconseiller complètement. C'est vraiment pas au point. Ça marche chez la souris, mais entre les souris et les hommes, il y a quand même quelques difficultés. Alors, techniquement, lors d'une pose de prothèse après mastectomie, est-elle toujours posée en rétropectoral? Alors, toutes celles que j'ai vues sont rétropectorales, et pour une raison simple, c'est que là, l'espace qui est compris entre la peau et le pectoral après la mastectomie, c'est une zone qui va être irradiée la plupart du temps, qui est ensuite qui se reconstruit et qui, au niveau vasculaire, n'est pas très très riche, n'a pas une capacité énorme. L'insérer entre la peau et le pectoral, en avant du pectoral, je l'ai vu il y a une trentaine d'années, c'est une catastrophique. C'est catastrophique sur le plan esthétique, ça ne marche pas. Mais ça peut changer. Donc, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est valable pour aujourd'hui. Il y a des choses qui vont changer. Voilà, c'est rétropectoral. Attention, en chirurgie esthétique, chirurgie plastique, c'est rétroglandulaire. Donc, rétroglandulaire, c'est entre la glande et le pectoral. Mais là, c'est l'esthétique. C'est pour les bimbos, ça. Une question de Claire. Au niveau de la reprise de mobilité en post-opératoire immédiat, est-ce que vous limitez les patientes en termes d'amplitude? Elle demande un petit peu d'informations par rapport à la technique rééducative. Alors, post-opératoire, il faut s'entendre si c'est la chirurgie initiale ou la reconstruction. En post-opératoire immédiat d'un curage, d'une mastectomie, etc., on démarre, et j'insiste là-dessus, de façon précoce mais pas immédiate. On sait que c'est les exercices qui vont chercher l'amplitude importante, c'est plutôt à J5, J6, J7, à une semaine. Voilà. De toute façon, il ne faut pas trop s'inquiéter quand on assiste à une intervention chirurgicale. Le bras, l'épaule de la patiente est dans une amplitude très importante. Ça, c'est une chose. Concernant la rééducation de l'épaule après reconstruction mammaire et selon ce qui a été fait, lambeau, pédiculé, cutané ou graisseux, c'est le chirurgien qui donne le protocole. Voilà. D'accord. Ils ont leurs habitudes et il faut les respecter. Alors, on a une question aussi sur les brides rétractiles. Jusqu'à combien de semaines post-op peut-on espérer faire céder, enfin, ou assouplir, on devrait dire? Et peut-on avoir une marge de manœuvre même après 2 ans quand on a des patients qui arrivent tardivement sur le parcours de soins? A-t-on un espoir? Alors, ce qu'on fait, c'est qu'évidemment, ce n'est pas quelque chose qui disparaît. Ça ne disparaît pas complètement. Il y a toujours une portion la plus proximale qui restera. On sait pourquoi avec l'anatomie. Ce qu'on sait, c'est qu'on peut intervenir très vite. En général, on n'intervient jamais quand elles apparaissent et disparaissent spontanément. Les patientes qui n'en présentent pas ont développé des collatérales qui font que ces vaisseaux qui se sont bouchés en proximal, pour des tas de raisons différentes d'ailleurs, tas de raisons différentes, ont ouvert leur collatéral. Voilà. Quand on a ça à prendre en compte, à prendre en charge, on peut les travailler bien au-delà. Plus on est loin de l'intervention chirurgicale et plus le risque est qu'effectivement elle se soit complètement thrombosée et que de la fibrose se soit installée à l'intérieur. Et ça, en échographie, on le voit bien, c'est des processus fibrineux, c'est blanc. Mais à ce moment-là, on est moins sur le travail vasculaire de ces collecteurs lymphatiques, puisqu'il s'agit de collecteurs lymphatiques, et plus sur un travail d'étirement de fibrose qu'on a évoqué avec les cicatrices, avec les coques, c'est la même chose, tout ça. Donc, même à distance, on a une action. Et pour preuve, c'est que souvent, vous avez des patientes qui ont un lymphœdème, qui se plaignent de douleurs dans le bras, qu'on n'arrive pas à déterminer, on ne palpe rien. On fait la décongestion du lymphœdème et les cordes affleurent parce qu'on a fait tomber le niveau de l'eau.
une question de Christine. Enfin, Christine a posé deux questions. La première, c'est au niveau de la chirurgie. Donc, je ne sais pas si, comme tu dis, Jean-Claude, le kiné est habilité à parler de chirurgie et de médecine. Mais donc, elle pose la question, ne serait-il pas possible en chirurgie de conserver la scissarcose, donc au niveau des différents fascias, donc cette articulation créée entre les deux, ce plan de glissement au niveau de la chirurgie. Et elle pose la question par rapport aux différentes chirurgies suivant les régions. Donc, voilà, est-ce que tu peux parler un petit peu de ça? Ben, il y a peut-être des attitudes chirurgicales différentes sur la décision de faire mastectomie ou tumorectomie. Après, sur les types... Les types d'interventions chirurgicales, c'est relativement consensuel. C'est relativement consensuel. Les plans de glissement, en fait, les plans de glissement, c'est nous qui les fabriquons. Donc, c'est la mobilité qui les fait. Et c'est pour ça que le travail de mise en tension, d'étirement postural est très, extrêmement intéressant. Et ce n'est pas vraiment le travail analytique. Voilà. C'est le travail, bien entendu, dans les directions, les diagonales de Kabat, si vous voulez. Voilà. On revient là-dessus toujours. D'accord. Alors, une autre question encore. Quelle est la place de la pressothérapie dans le traitement des lymphodèmes pour vous? C'est la pressothérapie, quand on sait ce que ça fait et ce que ça ne fait pas, c'est un outil très intéressant. En revanche, ça a la mauvaise réputation parce que dans les années 85, quand il y a eu le grand boom du drainage lymphatique manuel, tel qu'on le connaît, qu'on l'a connu parce qu'il a bien changé ce drainage manuel, il y a des fabricants d'appareils de pressothérapie qui ont marqué sur la façade « drainage lymphatique ». Et beaucoup de kinésithérapeute peu recommandable, ont remplacé le soin de drainage manuel par la pressothérapie, ce qui ne suffit pas. La pressothérapie est là un mode d'action sur les veines qu'on connaît bien, sur les lymphatiques, sur les œdèmes liquidiens, et quand on sait comment ça fonctionne, et qu'on sait que la pression doit être adaptée à la consistance de l'œdème, tout comme le drainage manuel, tout comme les bandages, tout ce qu'on fait, c'est une très très bonne chose. On peut la faire avant ou après le drainage, ça dépend de l'aspect clinique, on peut faire les deux aussi. Une question de Lisa, qui est étudiante en kinésithérapie et qui fait son mémoire sur le cancer du sein. Donc, c'est toujours intéressant de voir que des jeunes kinésithérapeutes pratiquent. Que pensez-vous des exercices actifs en charge progressive pour la rééducation de l'épaule après chirurgie? Exercice. Oui, vas-y. Alors, feu vert avec les indications et contre-indications, c'est-à-dire que selon l'état préalable de l'épaule, s'il y a un problème de sus épineux qui est dans les pâquerettes, c'est évident que ce ne sera pas bon. Mais on sait très bien avec des travaux américains de Catherine Smith notamment, qu'il n'y a aucune interdiction à le faire. Aucune interdiction à le faire, ça se fait progressivement. Il faut savoir que quand les gens refont un travail musclant et donc énergétiquement qui est difficile, toutes ces patientes avec le cancer sont désaccoutumés de l'effort. Voilà, c'est tout l'intérêt de l'activité physique adaptée, de rééducation, non pas l'appât, dont parlent les profs de gym, si j'ose dire, mais l'appart, l'activité physique adaptée de rééducation, c'est à part de l'appât, l'appart. C'est à nous. Et bien, quand on sait très bien ce qu'on peut faire à ces patientes-là, on peut les remuscler sans aucune crainte d'avoir un lymphodème. Si l'lymphodème doit apparaître, il apparaîtra même lors d'une sieste. Merci. Alors, une question d'Alicia. Dans le cadre d'une patiente avec un lafocèle d'une taille énorme, tout proche de l'aisselle, comment agir au mieux? Est-ce que la compression sous l'aisselle est indiquée? Comment on peut gérer au mieux cette situation? Alors, il y a des recommandations chirurgicales qui ne sont pas des recommandations très officielles, mais qui disent qu'il faut les ponctionner. Le problème des lymphocèles importantes, c'est que ce sont des collections liquidiennes qui ne se drainent pas par définition, c'est un lac liquidien, et c'est plein de bactéries, et le risque important, c'est l'infection. Donc, le plus important, c'est d'abord de ponctionner. Après, la question, c'est qu'est-ce qu'il faut faire? Il est évident que si on met ça un simple pansement sur le lymphocèle après la ponction, ça réapparaît de la même manière, parce que le phénomène qui le remplit, c'est-à-dire à la fois les vaisseaux lymphatiques du membre supérieur, ceux du sein ne produisent rien d'ailleurs, mais ceux du membre supérieur et les sérosités qui vont apparaître avec des exudats du fait de l'inflammation, ça continue. Donc, notre attitude chez nous, c'est de les comprimer. Même si des études ont montré que ça ne servait à rien, seulement quelle compression a été appliquée, quelle intensité de pression
notamment sur des thorax plats, et mettre une compression par bande élastique par-dessus. Si le thorax est plat, la pression, elle est très faible. Il faut arriver à monter, il faut avoir des notions d'ailleurs de cela. On arrive à collaber les vaisseaux lymphatiques sur un sujet sain quand on met un brassard à tension qui monte à 100 mm de mercure. C'est pas mal. Donc il faut au moins ça. Toujours pour les mouvements, Céline nous demande pourquoi, et quelles études le montrent, la mobilisation de l'épaule en élévation ne doit pas dépasser 90 degrés pendant les premières semaines post-op. Elle a vu certainement. Ben, il faut qu'elle demande à l'auteur, mais pas à moi. Il faut qu'elle demande à l'auteur, mais pas à moi. Parce que 90 degrés, les patientes vont beaucoup plus loin. La majorité des patientes qui ont ganglion sentinelle, c'est une technique qui se fait maintenant en ambulatoire, elles sortent chez elles, le lendemain matin, elles se coiffent, tout à fait normalement. Donc, il n'y a pas de limitation. Donc, la personne qui dit qu'il faut limiter à 90 degrés, c'est sa responsabilité. Et il y a certainement des raisons dans certains cas. Mais dans la majorité actuelle, c'est le ganglion sentinelle qui va être à 90% la technique dans l'année qui suit ou les années qui suivent. Et les patientes, le lendemain, elles vont très, très bien. Voilà. Il y a certaines d'entre elles qui ont peur du mouvement, ce qu'on appelle la kinésiophobie. Et là, par contre, il faut les stimuler. Voilà. D'accord. Alors, aussi, connaît-on le temps d'évolution des fibroses et des adhérences au niveau d'un sein en post-opératoire? On sait qu'elle peut durer plusieurs mois, plusieurs années. Est-ce qu'on connaît un temps moyen? Et avez-vous des retours sur la TKR-thérapie chez ces patientes-là? Quelle est la... Voilà. Je n'ai pas compris le sens de la question. C'est en combien de temps la fibrose s'installe? En fait, non, c'est combien de temps ça veut durer? C'est un confrère qui a une patiente qui a un sein qui est fibrose depuis plusieurs années. Et il se demande justement, pour pouvoir répondre à ces questions, pendant combien de temps cela peut être observé? Alors, la fibrose, elle a essentiellement sur le sein une origine post-radiothérapique. Voilà. Avec une altération du système lymphatique, un mauvais drainage de tas de substances de poids moléculaires qui favorisent cette fibrose. Et plus le temps passe, et plus l'installation de la fibrose augmente. Voilà. C'est évolutif. On a ça à titre indicatif. Et heureusement, ça ne se voit plus maintenant, quand il y avait des irradiations dans le creux axillaire, et où quelques années après, on commençait à avoir des troubles neurologiques, sensitifs et moteurs, et où on a une extension de la fibrose dans le creux axillaire, qui va engainer les nerfs, qui va comprimer tout ça. Et ça, c'est malheureusement évolutif. Donc la fibrose, c'est évolutif. Il y a quelqu'un qui arrive à faire quelque chose. Et est-ce que la TKR-thérapie serait une indication pour cela ou... Je ne connais pas. Connais pas vu d'essais randomisés, rien vu là-dessus. Même style de question concernant les techniques. Est-ce que l'électrostimulation des vaisseaux lymphatiques, est-ce que tu connais cette technique? Est-ce qu'elle est efficace? Alors, la stimulation du système lymphatique, elle est possible. Il faut savoir où on la fait et pourquoi. Quand on fait une stimulation électrique sur le retour lymphatique, sur une zone pardon, qui est saine, on n'a pas d'action. On n'a pas d'action parce que quand on s'adresse au système lymphatique de l'endroit où il n'y a pas d'œdème, les vaisseaux lymphatiques sont vides. Et si tant est qu'on les fasse se contracter par ces courants, comme ils sont vides, ben ils expulsent rien. Premier point. Les études qui ont été réalisées ont montré qu'effectivement, il y avait des diminutions de périmétrie d'un membre quand on faisait cela. Mais le problème de ces courants-là, c'est que pour aller sur les fibres blanches, en quelque sorte, de ces vaisseaux lymphatiques, puisqu'ils ont des fibres blanches dans leurs médias, eh bien, on a aussi une action sur les fibres rouges. Et donc, on ne sait pas si ce qui a été décongestionné est le fait d'une simple mini-contraction musculaire. Et on connaît depuis toujours le rôle de la contraction musculaire sur le retour veineux, et donc de toute évidence, ça fait dégonfler. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est dans l'lymphœdème, eh bien ça, c'est totalement inutile, parce que, en tout cas sur la voie lymphatique, parce que une grande proportion des vaisseaux lymphatiques, avec le temps qui passe, perdent leur contractilité. Il n'y a plus de contractilité. Ce qui explique que certaines techniques de drainage qui visent la contractilité des vaisseaux lymphatiques dans l'lymphœdème se soldent par des résultats relativement médiocres.
Alors, une autre question encore. Concernant les cicatrices hypertrophiques, est-il possible de les travailler à chaque séance sans alimenter l'inflammation ? Ben, si les techniques sont hyper aimiantes, on va enflammer. C'est-à-dire, si vous faites du pétrissage, si vous faites de la dépressothérapie sur des cicatrices hypertrophiques, ce n'est pas une bonne chose. Quand elles sont hypertrophiques, il faut les comprimer, il faut les mettre en ischémie. Donc, il faut tout sauf de la dépressothérapie, du massage Tour de France dessus. Voilà, mais ça, c'est... Quand la physiologie de ces cicatrices hypertrophiques, on la connaît, prenons le cas des brûlés. Les brûlés sont sous compression. Les brûlés du visage sont sous compression, sont sous masque, avec ou sans patch de silicone. Mais voilà quoi. Non, c'est. Il ne faut pas se tromper là. Il ne faut pas écouter les vendeurs, voilà, si j'ose dire, avec politesse et diplomatie. Voilà. Il ne faut pas écouter les vendeurs. Justine qui nous pose une question qui s'en va de mon écran. J'ai actuellement une patiente post-chirurgie, mastectomie et pose de prothèse rétro-pectorale qui ressent des spasmes musculaires au niveau du grand pectoral. Est-ce fréquent et quelles actions pouvons-nous avoir pour le bien-être de la patiente? Je ne sais pas de quoi elle parle. Il faut toujours se méfier du ressenti, c'est-à-dire du subjectif. Voilà. Donc là, je n'ai pas de réponse pour ce cas-là. D'accord. Quand elles disent quelque chose, il se passe quelque chose, mais c'est l'interprétation qu'elles en font et le vocabulaire qu'elles utilisent qui nous mène dans des mondes que nous ne connaissons pas. Tonia, Stéphane, je vous propose de faire une dernière question chacun parce que là, on a un peu dépassé le temps imparti. Très bien. Alors, dernière question. Qu'est-ce qui favorise l'apparition et la persistance des thromboses lymphatiques superficielles? La thrombose lymphatique superficielle, c'est un phénomène physiologique. C'est-à-dire quand on prélève les nœuds lymphatiques, les ganglions, les vaisseaux lymphatiques qui arrivent dans le ganglion, les lymphatiques afférents, mais ils sont coupés, ils ont la lumière ouverte. Si vous aviez eu des artères, ça s'appelle une hémorragie. Mais là, ça s'appelle une lymphorragie. Donc, ça coule et ça va alimenter le lymphocèle. Ça va se fermer naturellement. Ok, ça peut se fermer par un spasme, ça peut se fermer par des tas de phénomènes, une coagulation de la lymphe. Les médecins à une époque disaient que ça n'existait pas, je m'étais fait rabrouer à la Haute Autorité de Santé quand j'avais évoqué ce sujet. La lymphe, il y a du fibrinogène à l'intérieur, et les Italiens, avec notamment Lippi qui a beaucoup travaillé dessus, a bien démontré que ça coagulait. Bon, et puis il y a l'électrocoagulation qu'on fait en péropératoire qui fait qu'il se bouche. Voilà. Et quand il se bouche, et il faut qu'il se bouche, sinon... on va avoir des écoulements lymphatiques tout au long de la vie. Donc, il n'y a rien à faire pour éviter ça. C'est un phénomène normal de restauration de l'interruption du flux lymphatique. Dernière question de Julie. Les conseils de prévention du lymphœdème post-opératoire sont-ils encore d'actualité? Pas de piqûre, pas de port de sac à main du côté opéré, pas de prise de tension, etc., etc. Non, là, pour gagner du temps, il faut revenir à l'article qu'on vient de publier au mois de novembre dans Kinésithérapie, la revue, sur la prévention du lymphœdème. Tout ça, c'est à ranger au rayon du paléolithique, voilà, si j'ose dire. Voilà, parce qu'il y a eu beaucoup de revues qui ont été faites, des méta-analyses, et que ce soit la chaleur, que ce soit les voyages en avion, que ce soit les détergents qu'on utilise en faisant... tout ça, non. En revanche, tout le monde n'est pas d'accord sur la prise de sang et les injections intraveineuses. On n'arrive pas à faire complètement le lien. La société anglaise dit qu'elle ne le contre-indique pas, mais qu'elle recommande de donner l'autre bras. C'est très anglais, ça. C'est très british. Voilà. Elle n'interdit pas de donner le bras. Et voilà. Ceci dit, on a tous des patientes qui ont fait des prises de sang, etc. Il n'y a pas de souci. À titre indicatif, on peut tout à fait opérer les canaux carpiens. Ils ont forcément un garrot tout le temps de l'intervention chirurgicale. On met des prothèses sur des rhizarthroses et il y a un garrot le temps de l'intervention. On fait des opérations de Dupuytren sous garrot et bloc plexique sans problème de lymphœdème. On a publié avec l'équipe d'Avignon ça. Donc, s'il y a une chose à retenir, c'est ce qu'on dit toujours dans tous les stages à ce propos-là, c'est dire laissez-les vivre. Parce que quel gâchis de vie il y a eu avec des interdictions qui étaient des consignes militaires alors qu'il lui fallu donner des conseils humains. Voilà. Mais ça, il fallait le démontrer. Jean-Claude, du coup, il y a d'autres questions pour lesquelles on n'a plus le temps de répondre. Oui. Tu,
Tout à l'heure, tu disais qu'ils peuvent poster leurs questions sur le forum de l'AKTL, c'est ça? Oui, bien sûr. L'AKTL, c'est un site www.aktl, association, pour simplifier, c'est association kiné traitement lymphatique.org. AKTL, le forum est ouvert à tout le monde et il y a forcément des échanges. Voilà. Très volontiers, on y répondra. Qui que ce soit, il y aura des réponses. Voilà. Ouais, écoute, Jean-Claude, alors moi j'aurais un petit sondage en fait, à vous faire parvenir, ça va vous prendre 20 secondes. Si vous avez, voilà, c'est 20 secondes pour le faire maintenant. Jean-Claude, je voulais vraiment te remercier, tu as été captivant. Ce format de 40 minutes, je pense que malheureusement, on ne peut pas répondre à tout le monde, mais quelque part, il faut aussi le rendre dynamique. Dès que tout le monde a fini le questionnaire, il y aura quand même des solutions pour ceux qui en veulent en savoir un petit peu plus. Il y a toujours la possibilité de faire de… Alors, toi, tu n'interviens pas en INK Learning, mais par contre, tu interviens quand même en présentiel. Et je remettrai du coup les dates. Je remettrai les dates dans lesquelles tu interviens pour justement nous parler de ça sur tes deux jours de formation. Avec plaisir. Donc, je vais laisser aller encore 20 secondes. Là, on est bon. Là, on est à 97% de réponses. C'est plutôt positif. Hein. Tant mieux. Donc, pour ceux qui sont arrivés en retard, on va voir avec l'INK comment on peut vous envoyer le replay. Moi, j'ai mis 1 minute 30 à le lancer. Donc, il manquait la première partie où je te présentais. Et il manquait aussi… après, ce n'était pas très important. Puisque les slides, je vais les relancer après. Pour le sondage… Et je vais du coup relancer le. Je vais relancer le partage d'écran qui est ici. Hop. Est-ce que vous avez bien ça devant les yeux? Mm-hmm. Ouais. Oui. Jean-Claude, encore merci beaucoup. Merci. Moi, je remercie aussi toute l'équipe de la FFMKR. Céline, je remercie beaucoup Cécile aussi de la FMKR 31. Et voilà, là vous avez devant vous les dates dans lesquelles intervient Jean-Claude. Donc l'INK Learning, allez jeter un petit coup d'œil sur les dates qui sont abordées. Et là vous avez les dates, donc par ordre chronologique, Paris, Toulouse, Rivesaltes, donc chez nous. Porte les Valences. Celle du bas, j'arrive pas à voir. Nancy. Oui. Merci Stéphane. Avec. Et enfin, Sorgue, Saint-Nicolas, Nîmes, Paris. Et pareil pour la dernière, j'arrive pas à lire non plus. Strasbourg. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu et on espère vous revoir sur des prochains webinaires avec l'Institut national de kinésithérapie. Bonne soirée à tous. Et merci pour l'organisation, bravo. Merci Jean-Claude.